Aujourd'hui, un tiers des Français de plus de 18 ans sont éloignés du numérique. Ce phénomène, qui peut concerner chacun de nous à un moment de sa vie ou face à certaines situations, est susceptible d'accentuer les inégalités sociales qui traversent notre société. Pour permettre à tous les Français de développer leur culture numérique et de diversifier leurs usages en ligne en sécurité et en confiance, l'État, les collectivités, les entreprises et les acteurs associatifs ont adopté une feuille de route commune. France numérique ensemble. Concrètement, quatre axes d'intervention ont été définis. Rapprocher l'inclusion numérique des citoyens en confiant aux acteurs locaux le soin de définir les priorités territoriales, aussi bien en termes de public que de thématique, pour imaginer une offre de services locales dédiée à l'inclusion numérique. Rendre le numérique accessible à tous, par la mise à disposition de formations, mais également d'équipements reconditionnés à tarifs solidaires. Professionnaliser la filière de la médiation et de l'aide numérique, en finançant la formation professionnelle continue des agents publics et des acteurs associatifs. Renforcer le partage de données pour mieux comprendre les vulnérabilités numériques des habitants et adapter les actions aux besoins des citoyens et des professionnels. Pour chaque axe, l'État s'engage à promouvoir le développement de communs, seul gage d'un numérique plus inclusif, plus éthique, plus soutenable, en un mot, plus vertueux. Collectivités, administrations, associations, entreprises, rejoignez les collectifs locaux de Numérique Ensemble sur inclusion-numérique.anct.gouv.fr. Nous avons tous quelque chose à apprendre sur le numérique.